numéro 9 d'abord, c'est la sensibilité au secret. Siri. Ukinipenda itayua degré ya upendo yako selon secret zako zenye unanambiaka. Amen. Un ami te dit ses secrets. Celui qui ne te dit jamais ses secrets n'est pas ton ami. Rafiki ni mwenye anakuambiaka siri zake. Mwenye anakuficha siri zake utasema ni rafiki yako. L'amitié se manifeste par le grand nombre de secrets que chacun garde. Urafiki unazirika kwa hesabu ya siri mnazoambiana. Na kama leo ba musika mingi banakuwa kama probleme mu mafiançaye ni nini? Ngwani bisema Kiswahili nda bisema mu Kifaransa ba francophone benye bako bananifuata baniache kwanza kidogo. Uko musika. Tu es une fille. Kuna bilia kuambia kila mwanamke kama balishaanza kukuchumbia. Kumbe ule mwenye uko nawaza ni rafiki yako ni wa majaluzi. Ni mtu wa wivu. Uliwaza ni rafiki yako uko nampiga ile numero 9 ya secret. Kumbe yeye roho ilishaka lungumana. La même soirée anaenda ambia ule garçon. Tulisha yua bienu. Eske ule njo msika kweli? Suliwaza ni rafiki yako. Suka muibia siri. Amen. Yeye si rafiki yako anaenda bidetruire. La fille n'a pas besoin de dire qu'elle est fiancée à n'importe quelle femme. Elle doit garder ses secrets et ne les dire qu'à une femme de confiance qui ne sera jamais jalouse de sa fiançaille. Ah oui, oui. Sinon, elle ira parler au garçon qu'il s'est trompé. Là, si vous attendez à mi à Kijana ou Kumchumbia Kwamba Lidanganyika. Même dans le foyer, vous pouvez avoir des secrets que même les pasteurs ne connaissent pas. Hata katika unyumba enu, Richard na Esther. Unazo siri mnaweza chunga na pasteur hata kujua ndio? Oui. Ndio. Sio vo foyer de famille? Ni unyumba wenu haiko wa pasteur. Kama mume iko na kivimba hapa mpaka pasteur ajue. Ah. Kama dada Esa iko na kovu hapa mumbavu mpaka pasteur ajue. C'est un exemple seulement. Bon, ni mfano tu tumetoa. Dans l'amitié, katika urafiki, vous m'aimez, ukinipenda, ça dépend de comment vous ouvrez vers moi dans vos secrets. Inatokana na gisi una nifungulia mlango.